toute probabilité, le traîneau est un véhicule en bois fort primitif, tracté par un ou plusieurs animaux de trait, tels que le cheval, le bœuf ou le renne, et bien sûr le chien, et servait de tout temps au transport d'hommes ou de marchandises. Le Père Noël, d'ailleurs, l'utilise encore actuellement. Il existe de très nombreux types de traîneaux à chiens qui se sont adaptés au mode de vie des différentes régions de l'Arctique. Ils se sont perfectionnés ensuite avec la naissance des sports et des courses utilisant les chiens de traîneau. Le traîneau d'Alaska est le plus utilisé actuellement, aussi bien en course, raid qu'en randonnée, grâce à son basket dans la partie centrale permettant le transport de charges pas trop lourdes dans un sac. Un arceau à l'avant, le brushbow, permet de protéger le traîneau contre les chocs subis souvent en passage de forêt. Le toboggan, d'origine amérindienne, avec un fond plat, est plutôt utilisé en raid ou en expédition, afin de transporter de lourdes charges en évitant de s'enfoncer dans la neige profonde ou légère. On l'utilise également pour l'initiation et le portage touristique. Depuis, ils ont énormément évolué pour les compétitions, le bois ayant disparu complètement. Ils deviennent repliables et les patins sont en aluminium ou Kevlar carbone, comme ces derniers traîneaux. Mais parlons maintenant plus longuement des traîneaux traditionnels du Groenland. Le traîneau à chien des Inuits, que l'on nomme komatik en langage Inuktitut, fait partie intégrante de leur mode de vie. Avec ses deux traverses pleines, il est bien adapté pour la chasse et la pêche, ainsi que pour le transport de lourdes charges, sur ce vaste terrain plat que représente la banquise et sur une neige bien tassée ou gelée, mais il sera moins à l'aise sur une neige profonde. Comme vous l'avez remarqué, on voyage assis dans ces traîneaux, ce qui n'aide pas à vous réchauffer, particulièrement dans ces régions. Ces dimensions varient suivant l'emploi désiré. Ici, lors du championnat du Groenland de traîneaux à chiens, ils sont adaptés à la course et ils ne nous ont pas attendus pour se mesurer. Nous avons en interview le grand champion du Groenland de cette année 2000. Le traîneau traditionnel utilisé dans cette région a été amélioré tout d'abord en 1888 par le fameux explorateur polaire norvégien Nansen pour la première traversée du Groenland d'est en ouest. Son traîneau n'avait pas de montant arrière, était monté sur des skis et devenait ainsi plus léger, plus résistant et permettait d'absorber les obstacles plus facilement. Les expéditions britanniques de 1930 et 1934 vont y remettre les montants arrière existants sur les traîneaux groenlandais. Enfin, Paul-Émile Victor ajoutera successivement pour ses expéditions et lors de son hivernage en 1937 à Massalik, le basket sledge grenadien, son frein à pied et des éléments de traîneau traditionnels groenlandais. Il l'a en fait transformé lors de son séjour à Massalik et on voit cette différence avec celui de la côte ouest, tout simplement par ce côté ajouré des patins. On remarque ici le frein à pied utilisé par les trappeurs de l'Amérique du Nord. Les patins présentent une légère obliquité vers l'extérieur pour une meilleure stabilité. Les traverses en bois de la côte est sont ajourées pour alléger le poids et l'ensemble lié avec des courroies pour l'assouplir. Ces chaînes seront utilisées autour des patins pour les fortes descentes. On retrouve actuellement ce traîneau en modèle réduit, bien pratique comme l'ando. Il sera adapté également pour les enfants en luge. Nous l'avons testé lors de notre séjour dans la région si prisée de Paul-Émile Victor, mais avec une envie de rester derrière, ne serait-ce que pour marcher et se réchauffer, et intervenir plus vite sur les chiens,
que de partir de la position assise, bien sûr. Il est plus adapté dans cette région d'Amasalik du fait d'un relief plus important et d'une neige plus profonde. Il est utilisé par tous les Inuits de la côte Est, tout du moins jusqu'à notre passage de l'hiver 2000. Peu utilisé et principalement en Arctique occidental pour traverser les forêts en neige profonde, il se limite à 4 à 6 chiens. Le tandem double est la forme la plus utilisée en Europe, en Amérique du Nord et pour les plus grandes courses actuelles. Mais revenons au Groenland pour décrire leur typique attelage dit en éventail. Principalement utilisé par les Inuits pour la chasse ou la pêche sur la banquise, donc un terrain sans obstacle pour ainsi dire, avec un sol dur. L'attelage en éventail modifié, chaque chien ayant une ligne de trait de longueur différente suivant les qualités et les rôles que l'on veut donner au chien, sera parfaitement justifié sur la banquise et donc dans les fjords également. Si la glace se brise sous le poids d'un chien, celui-ci n'entraînera pas tout le reste de l'attelage avec lui, l'écartement de ses congénères permettant ensuite de le sauver. On serre quand même un peu les fesses dans ces passages délicats. Le système permettra en neige profonde aux plus faibles, toujours placés en arrière, de courir dans la trace des premiers et seront alors plus efficaces. En pleine tempête, les chiens se regrouperont en tandem double, pour ainsi dire, afin de mieux résister. Les inconvénients de l'attelage en éventail comparé au tandem double sera l'emmêlage. Effectivement, au bout d'un certain temps, les chiens vont changer d'axe de direction pour faire un câlin à une femelle ou pour régler un compte personnel avec un collègue, ce qui va provoquer une longue tresse raccourcissant les lignes de trait en leur diminuant fortement leur efficacité. Parfois, un chien bloquera une de ses pattes et il faudra arrêter rapidement le traîneau. Lorsqu'on fait de grandes distances, il faut s'arrêter pour laisser les chiens se reposer quelques minutes et en même temps se réchauffer avec une boisson chaude, se dégourdir les jambes. On en profitera à ce moment-là pour dénouer cette fameuse tresse. Mais heureusement, Paul-Émile Victor mettra au point une technique efficace qui fera gagner beaucoup de temps et nous réchauffera tout en restant en position assise. Un simple crochet fixé sur la traverse avant et une boucle de cuir épaisse résoudra le problème. Actuellement, une petite sangle de serrage pourra suffire. Je m'explique. Toutes les lignes de trait sont maintenues par un collier serré à leur extrémité. Quand une tresse importante se produira, il suffira de tirer les lignes de trait vers soi, on fixera le collier à l'avant de cet emmêlage en l'attachant au crochet. On pourra alors, tranquillement, démêler les lignes de trait vers l'arrière et replacer ensuite le lien de serrage comme au début. Par contre, cette tresse d'emmêlage sera volontairement conservée à l'approche d'une forte descente,
limitant ainsi l'efficacité des lignes de trait et l'ardeur en descente des chiens. Autrefois, avant les améliorations de ces traîneaux, on mettait volontairement les chiens derrière le traîneau en descente, ceux-ci servant alors de système de freinage. Bonjour les dégâts. Les jeunes chiens vivent en toute liberté dans le village jusqu'à 6 mois, mais on va les habituer progressivement à garder une demi-heure à une heure une patte passée dans le collier. Non, ce n'est pas une punition, mais indispensable pour la survie de l'homme ici. En effet, lors d'un passage très délicat ou lors d'un arrêt se trouvant sur trois pattes, cela évitera qu'ils partent avec le traîneau, sans vous bien sûr, ce qui serait fatal dans cet environnement. Bon, vous en connaissez un peu plus sur le traîneau groenlandais. Il est temps d'installer le campement pour une pêche miraculeuse depuis le traîneau demain. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode.